L'Afrique en long, en large et parfois malheureusement de travers, on en parle tous les soirs sur Al24. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Justement, on célèbre l'Afrique au sein du ministère des Affaires étrangères avec notre premier diplomate, Ahmed Attaf. Une rencontre qui se veut festive sans pour autant mettre de côté les défis ultérieurs, comme les efforts conjugués qui ne seront jamais lésinés face à des situations de crise dans le voisinage immédiat de l'Algérie. On veut parler du Mali, bien sûr, on écoute. Dans cette optique, et alors qu'elle poursuit ses efforts à la tête de la médiation internationale pour le suivi du processus de paix et de réconciliation dans la République sœur du Mali, l'Algérie salue l'attachement des parties maliennes à l'accord d'Alger et leur engagement sincère dans les efforts que l'Algérie a récemment initiés en vue de surmonter les difficultés actuelles. Et assurer une reprise rapide de la mise en œuvre de l'accord d'Alger pour le bien et la prospérité de ce pays frère. Le chef de la diplomatie a évoqué également le dossier soudanais au-delà des antagonismes. On appelle ici à prendre en compte la souffrance du peuple soudanais. Il ne faut surtout pas négliger la souffrance des Soudanais à la suite de la crise qui frappe ce pays frère depuis plus d'un mois. Une crise qui a coûté la vie à des centaines d'innocents et déplacé des centaines de milliers de civils sans défense. Face à cette situation, l'Algérie appelle à redoubler d'efforts et à coordonner les initiatives de tous les acteurs internationaux et régionaux afin d'aider à faire sortir le Soudan de la spirale de la violence et de la division. Soudan, on en parle encore un peu avec une trêve prolongée de 5 jours sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. D'après un communiqué diffusé il y a quelques heures, une trêve initialement d'une semaine qui n'a jamais été respectée, il faut le dire. Alors qu'en ce moment, entre 25 et 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire en urgence pour survivre. Le premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire Kyelem de Tambala, a estimé ce matin devant le Parlement qu'il n'y a pas de négociation possible avec les hordes terroristes qui ciblent le pays depuis 2015, réaffirmant la volonté du gouvernement d'augmenter le nombre de civils dans l'armée. Quelques 50 000 volontaires sont actuellement recensés dans le pays. Le premier ministre s'est également félicité de la réorganisation de l'armée et des récentes acquisitions qui ont permis de doter chaque soldat et supplétif civil d'une arme et de munitions. Faim dans le monde et ce rapport de l'ONU inquiétant au sujet de la situation de certains pays africains, dont certains pays sahéliens, ou le Soudan, placé en alerte maximale par exemple pour les risques de famine. Une alerte au sujet des graves restrictions de mouvement des personnes et des biens, comme au Burkina Faso ou au Mali, ainsi qu'à l'éruption récente du conflit au Soudan, explique le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme alimentaire mondial dans un rapport commun rendu public hier. Nigeria, 3 mois après les élections générales contestées du 25 février, Bola Ahmed Tinubu succède officiellement à Muhammadu Buhari à la présidence du Nigeria après une période électorale éprouvante marquée par une grave pénurie de liquidités et de carburant dans le pays. Beaucoup comptent sur cette passation de pouvoir pour donner un nouvel élan au Nigeria. Ce soir, on a voulu faire plus ample connaissance avec le nouveau président du pays, le plus peuplé d'Afrique, et d'en savoir un peu plus au sujet des défis auxquels il sera confronté. Explication d'Ali Manzakar. Nouvel homme fort du pays le plus peuplé d'Afrique, 71 ans, flanqué de blancs,
en prêtant serment lors d'une cérémonie à Abuja avec des invités de marque, à l'instar d'officiels en provenance du Rwanda, du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Bénin et du Cameroun. Lui, c'est Bola Tinubu, élu en février dernier lors d'un scrutin électronique très serré. L'opposition dénonce au jour d'aujourd'hui des fraudes, mais l'officialisation de sa victoire est actée institutionnellement. Il faut le dire, la charge sur les épaules du nouveau dirigeant est lourde. De confession musulmane, le défi sera d'unir un gigantesque pays africain de 215 millions d'habitants, dont le clivage est sensible, confessionnel, mais aussi tribal. Lors de son premier discours, la priorité de son mandat présidentiel, selon lui, sera donnée à la lutte contre l'insécurité, un discours survenu après le départ en avion de son prédécesseur Muhammadu Buhari, 80 ans, ancien général putschiste de l'armée du même parti que lui, après deux mandats présidentiels successifs en demi-teinte. Néanmoins, s'est fait élire en 2015 et 2019 sur la promesse de mettre fin aux violences. Il laissera un pays à son successeur frappé par la violence entre une faction extrémiste dans le nord-est et son lot d'attentats et d'enlèvements. Ajoutons une région du sud-est en proie aux agitations séparatistes. Sur le volet économique, le nouveau président a promis de remettre la première économie africaine sur les rails, une économie riche, basée sur le pétrole et autres minerais, paradoxalement avec une inflation à deux chiffres synonyme d'explosion de la dette et de pauvreté. Or, ce qui plaide en faveur de Bola Tinubu, il a été de 1999 à 2007 gouverneur de l'État de Lagos, modernisation et sécurité, idoine pour le climat des affaires d'un État de 20 millions d'habitants, a renforcé sa réputation de gestionnaire selon ses supporters. Le bémol étant sa santé fragile, il n'a pas échappé aux observateurs du Nigeria que le président Buhari a passé des mois en Angleterre pour se soigner d'une maladie tenue secrète. Surnommé le parrain dans un pays où le clientélisme en politique est roi, multimillionnaire dont l'origine de la fortune n'est pas connue, le nouvel homme fort du pays, âgé, sans doute malade, est vu comme une figure de la vieille garde politique, ce qui explique que la jeunesse a préféré mettre ses espoirs de changement chez son rival Peter Orby, outsider, arrivé troisième à la présidentielle et qui accuse Tinubu d'avoir triché. Autre révolution promise est d'en finir avec les subventions du carburant. Le pays échange son pétrole brut estimé à des milliards de dollars contre du carburant importé en raison de la défaillance des raffineries d'État qu'il subventionne par la suite pour garder les prix bas, créant un gouffre financier majeur. Un manque à gagner pour le Nigeria au lieu d'investir dans les secteurs clés comme la santé et l'éducation alors qu'une majorité de Nigérians vivent dans une extrême pauvreté et incitent à la fuite des cerveaux. Somalie en bref, 8 terroristes Shebab tués lors d'une offensive dans les zones près des villes de Galkad et Mazagawe dans le centre du pays. Cette menée militaire intervient quelques jours après que l'armée nationale somalienne et ses partenaires internationaux ont intensifié leur opération contre les combattants du groupe dans le pays. Le Kenya va renforcer ses relations commerciales avec la Russie, d'après les autorités de Nairobi. Annonce faite lors d'une visite surprise du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le président kényan a également déploré que les relations commerciales entre Nairobi et Moscou soient faibles malgré l'énorme potentiel et a annoncé la signature d'un pacte commercial selon le communiqué, mais sans donner davantage de détails. Le Kenya, et la Russie en donnée, c'est une exportation pour 55 millions de dollars de biens vers la Russie en 2022 contre 266 millions de dollars pour les importations. Selon les derniers chiffres du gouvernement kényan, ce volume pourrait fortement augmenter d'après les deux figures officielles, à savoir William Ruto et Sergei Lavrov. Ce dernier a pris son envol après le Kenya vers le Burundi. Voilà pour la tournée africaine de l'information. Quel temps fera-t-il donc demain? Élément de réponse dans un instant. Et que dire d'autre? Comme à mon habitude, je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à dimanche.